Démarrage effectif de la phase pratique de l'évaluation des débits environnementaux sur le lac Nokwe et dans le delta de l'Ouémé. Les techniciens en charge de l'étude ont sillonné de long en large les zones concernées par la dite étude du 5 au 10 avril 2019. Il s'agit de pouvoir déterminer ce débit qu'il faut pour toute la nature ou tous les éléments de l'écosystème que nous choisissons préserver. Pour que cet écosystème-là, à partir de ce débit minimum, puisse assurer ses différentes fonctions qu'il a l'habitude d'assurer. Ça a été très, très, très enrichissant. Nous avons eu l'idée de tous les besoins que l'écosystème offre aux individus. Une activité dont l'objectif est de prendre les caractéristiques de ces milieux pour évaluer le débit environnemental nécessaire à la survie et à la continuation des écosystèmes et de la fourniture des services écosystémiques. Je vous dis zéro. Oui. C'est un chiffre après la virgule, quoi. Ah, ok. Qu'est-ce que ça fait? Tu vas à l'eau? Est-ce que vous pensez que la salinité peut avoir été influencée? Une activité qui a rencontré un grand succès malgré les nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain.